Le miracle de Noël s'est produit pour ce chien au visage déformé. Woody a enchaîné les traumatismes au cours de sa vie et jusqu'à ce que le vent tourne enfin. Woody a très mal démarré dans la vie. À seulement 5 semaines, il s'est fait attaquer par un autre chien. Très gravement blessé au visage, il a été complètement défiguré. Ses maîtres n'ont jamais voulu l'emmener chez le vétérinaire, si bien que cette agression lui a laissé des séquelles physiques à vie. Mais ce n'est pas le pire, peu de temps plus tard, ses propriétaires l'ont abandonné. Ils l'ont enchaîné dehors, sans la moindre nourriture. Ce sont des voisins qui venaient le nourrir de temps en temps. Woody pourrait-il un jour être heureux? Six semaines plus tard, l'un d'eux a finalement contacté une association locale. Cette dernière a immédiatement pris Woody en charge. « Nous pensons qu'il a 8 mois mais il se comporte comme un chiot de 8 semaines », a déclaré la présidente de l'association. Sa personnalité correspond à son visage gentil et maladroit, il est très joueur et affectueux. Quand tu le regardes, tu ne peux t'empêcher de l'aimer à cause de son visage, a-t-elle ajouté. Et pourtant, qui voudrait d'un chien au visage si déformé? Une amie de la présidente de l'association, émue par le pauvre animal, a décidé de l'accueillir chez elle pour Noël. Pas question pour elle de laisser Woody derrière les barreaux du refuge pour les fêtes de fin d'année après tout ce qu'il avait subi et mais, contre toute attente, le miracle s'est finalement produit, Woody vient d'être adopté. Il passera Noël au chaud, entouré d'une famille aimante. Yeah.